Du coup, c'est qu'au minimum, on est 40 voix. Parce que si on fait de la com, jeudi ou vendredi, et qu'on n'a pas 40 voix, on passe pour des buses. C'est ça. Et ça, on ne veut pas. Donc, vois jusqu'où tu peux aller. Vois jusqu'où tu peux aller. On a quand même bloqué les trois quarts des amendements qui nous ont été transmis vendredi. Oui, hein. Oui, il était horrible. Voilà. Ce que je comprends, c'est que l'idée, c'est de passer au vote, si possible. On essaie de le négocier peut-être un jeudi après-midi. C'est pas... C'est oui, ce transfert d'armes. Mais c'est pas gagné. La France est co-auteur avec plusieurs pays d'une résolution courte mais forte dans laquelle le Conseil des droits de l'homme demande quatre choses. Tout d'abord, l'accès à l'aide humanitaire au territoire syrien. Deuxièmement, l'accès à la commission d'enquête sur la Syrie. Elle va, cette résolution, condamner l'utilisation des armes chimiques. Et enfin, elle va réitérer le fait que les crimes de guerre ou les crimes de l'humanité qui sont commis en Syrie, quels qu'en soient les auteurs, ne devront pas rester impunis. James, just on the side event, I spoke to my ambassador. She's wondering whether it's right for Democrats to attend. Okay, I mean, we are not asking her to stay for an entire 2-hour event. It would be not very well understood if we were not there. I wanted to check, is your ambassador definitely going to yes, come? Yes, he will come. And the Turkish as well, huh? The Turkish is yes. Going to be there. Okay. So basically, it's not bad. Huh? They're with Mrs. Atasido, and she is a prominent figure of the Syrian National Coalition. Mrs. Atasido is high level. She's the first one on the list. That's not for no reason, if I may. Great. A bientôt. A bientôt. Oui, monsieur l'ambassadeur, désolé, je suis avec votre homologue belge qui vient de voir le ministre congolais. Est-ce que je peux lui proposer peut-être qu'il vous téléphone rapidement? Parce que si c'est deux ou trois messages à passer. À 12h, d'accord, ça marche. Ok, merci, à bientôt. Écoutez, il va vous téléphoner là, hein, de toute façon, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon courage. La Belgique et la France, et le Luxembourg notamment, au sein de l'Union européenne, essaient vraiment de rehausser le traitement des sujets africains au Conseil des droits de l'homme. Ça fait partie du travail multilatéral, on traite de sujets horizontaux et un peu de toutes les régions. Il faut savoir être interchangeable avec les collègues, donc voilà. Cette caméra. Le Core Group a décidé ce matin, d'un commun accord, retarder le passage au vote à demain matin pour nous donner 24 heures de plus, essayer de faire le plein en termes de vote en nous laissant le temps de faire des démarches à la fois en capitale mais aussi à New York parce que avec l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient en ce moment. Vous êtes obligé de expulser Jean-Noël. Désolé. Non mais c'est moi qui. Le Burkina vote pour. Oui. Est-ce que vous pourriez... C'est ce qu'il m'a dit. Super. On a retardé, en fait. On a décidé de repousser le vote à demain pour... Oui, ça j'ai compris. Parce que c'était nécessaire. L'Ouganda. On a l'Ouganda aussi. Le Gabon. Oui. Vous avez... C'est l'Américaine qui dit ça. Oui, d'accord. Eux, mais... Le Gabon, c'est bon. Par contre, le Kenya, c'est facile. Je voterai abstention. Parce qu'ils ne sont pas contents de la faiblesse du langage sur la CPI.
il y a l'Angola sur lequel ils ont travaillé. Et j'avais refait un mail parce que l'Indonésie, on ne sait pas trop où ils vont aller, parce que ça pourrait bouger. Alors les deux qu'il faut vraiment voir, c'est l'Éthiopie et le Kenya. Attention. En fonction de votre retour, on va demander à New York deux ou trois qu'il faut voir à New York. Côte d'Ivoire, je sens par là. Justement de la position que vous entendiez prendre concernant la résolution sur la Syrie. C'est bon ? Ah, vous êtes super. C'est super gentil. Je le fais tout de suite. Regardez, je lui fais un texto immédiatement. Vous l'avez raté, mais à 30 secondes. Donc, je lui dis tout de suite. Nicolas, alors, texto, la Côte d'Ivoire, viens. Je suis encore au desk. D'accord. Pour lui rendre. Parce que c'était un honneur d'avoir l'ambassadeur à notre oui. Desk. Donc, de nous le informer minimum qu'on puisse faire. Qu'ils voteront pour. Voteront pour. Je les ai salués de votre part. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le message est passé. D'accord. C'est très simple, c'est très gentil de votre part. Been distributed to you all yesterday afternoon. Please return any response to the secretariat. Excellencies, ladies and gentlemen, we shall now continue to take action on draft resolution. On va bientôt passer au vote pour la résolution Syrie, donc les gens se préparent. Bon, alors on passe quand ? Voilà, à mon avis, c'est juste après, normalement. Donc, certains disent que c'est reporté. Non, à mon avis, c'est parce que... Bonjour. Il a fallu lutter quand même entre nos ambassades en Afrique, vous à New York, nous aussi. The British ambassador, you know. Yes, and he can come in too. L'ambassadeur du Gabon aussi, oui, bien sûr. Ça va bien. Bon, c'est bon, hein, c'est bon. C'est le meilleur. C'est bon. Merci pour ton soutien. Start. Excellencies, ladies and gentlemen, good morning to everybody. It's our last day of this session. I hereby declare open the 35th meeting of the 24th session of the Human Rights Council. À Paris un mail en donnant le résultat et en disant que c'est pas mal. Ah oui.
Le télégramme est quasiment prêt là, si vous voulez, juste après la conférence. Non, on va pas faire les choses, mais envoyez le résultat. D'accord. Nous avons eu 40 voix sur 47 membres du Conseil qui sont prononcés pour l'adoption de la résolution Syrie, soit 3 voix de plus que la fois précédente. Donc c'est un bon résultat, une négociation qui a abouti à ce que nous voulions. Ce qui est clair, c'est que le dossier Syrie est un dossier extraordinairement politique. Certains pays africains qui, la fois d'avant, au mois de juin, s'étaient abstenus, cette fois-ci, ont retourné Kazakh et ont voté pour la résolution Syrie qui était sur la table. L'adoption de cette résolution par le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui à une très forte majorité montre une fois de plus l'isolement de l'île de Damas et la réprobation de la communauté internationale devant l'ampleur des violations des droits de l'homme en Syrie. Le dernier rapport de la les droits de l'homme dont chacun d'entre nous disposons à notre naissance, qui sont imprescriptibles, inaliénables. Il faut d'ailleurs à cet égard lutter contre toute tentative de relativisme culturel qui expliquerait qu'au fond les droits de l'homme c'est une création spécifique d'un moment donné, d'une civilisation donnée. Non, les droits de l'homme sont attachés à la personne humaine à partir du moment où elle vient au monde. Et donc notre fonction au sein de ce Conseil, qui est une sorte de conscience morale de l'humanité, c'est précisément de travailler en pleine lumière et de dénoncer les crimes. Il n'y a rien de pire quand il y a des crimes que le silence et l'oubli. Et ici à Genève, notre rôle c'est de parler et de dénoncer les crimes. Et tous ceux qui en sont les victimes savent que quelque part, il y a un refus du silence, un refus du vide, et que nous mettons la lumière sur ces crimes et que nous préparons la justice internationale.